Donc là, on a parlé de faire des calculs sur des GPU Nvidia avec une techno qui est NVC++. Et moi, je vais vous parler de deux autres techno qui, pour le coup, ne sont pas spécifiques à Nvidia, qui sont Rust et Vulkan. Donc, pour poser un peu le contexte, moi, je viens du milieu de la physique des particules. Et dans ce milieu-là, en gros, les langages standards, c'est si la performance d'exécution est importante, on va utiliser C++. Si on s'en fout et on a envie de faire une interface un peu jolie à haut niveau, on va plutôt utiliser Python. Et quand les gens font du GPU, en gros, à part quelques ermites, les gens font quasiment tous du CUDA, ou des API qui font une couche d'abstraction tellement fine par-dessus CUDA que même si elles prétendent être portables par-dessus back-end, je pense qu'ils bluffent. Dans cette présentation, je vais donc discuter de Rust, que je vais présenter comme une alternative à C++ dans la pile de la physique des particules, et Vulkan comme une alternative à CUDA ainsi que d'autres API de calcul comme OpenCL et SQL. J'ai 20 minutes, donc je vais devoir faire quelques raccourcis. Donc j'avais dit pas de calomnie ce matin, là c'est raté, il va y en avoir quelques-unes. Vous me poserez des questions si vous voulez les détails. Rust. C'est un langage qui est stabilisé depuis peu de temps. La version 1 est sortie en 2015. Il se place sur un créneau un peu similaire à celui de C++. Il est orienté vers la compilation à l'avance. Il n'a pas de ramasse-miettes. Le typage, la discipline de typage est stricte et explicite. On doit dire de quel type sont les variables et on ne peut pas les convertir n'importe comment. On a du contrôle bas niveau sur ce qu'on fait au niveau machine et des possibilités de faire des choses un petit peu sophistiquées au niveau de la programmation du compilateur, ce qu'on appelle la métaprogrammation. Et le vocabulaire d'abstraction est très riche, ce qui veut dire que donc on peut avoir quelque chose qui a un contrôle très fin à bas niveau, mais qui offre quand même des interfaces plutôt haut niveau. Et ça, c'est assez intéressant comme compromis. En compromis, quand on fait tout ça, le prix à payer, c'est que le langage va avoir un vocabulaire d'abstraction un peu plus lourd, donc c'est un langage qui va avoir un temps d'apprentissage un peu plus long, ça demande un certain effort à apprendre. Voilà pour les points communs. Maintenant, qu'est-ce qui diffère? D'abord, il y a la question de la compatibilité. C++, il est fortement contraint par le fait qu'il doit être compatible avec les anciennes versions de C++ et avec le C avant ça. Ce qui veut dire qu'on va se retrouver à tout un tas d'aberrations. Si ces choses-là ne vous attirent pas tout de suite, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je n'ai pas le temps. Mais il y a beaucoup de choses très douteuses dans C++ qui viennent du fait que c'est une mauvaise décision qui a été prise et qu'on ne peut plus la changer parce qu'il faut être compatible. Comme Rust est sorti sa V1 en 2015, il a pu éviter un certain nombre de ces écueils et partir sur une meilleure conception. Donc typiquement, on n'a plus des types entiers dont on ne sait pas de quelle taille ils sont. Maintenant, ils sont de taille bien définie, en dehors de isize et usize qui doivent avoir une taille définie à l'exécution parce qu'ils représentent la taille d'un pointeur. On utilise la sémantique de déplacement par défaut, ce n'est pas une extension obscure, des références et des pointeurs quand il faut. Les littérales ne sont pas typées, donc si vous voyez un 0 dans le code, ce n'est pas un nombre 32 bits. 0, c'est 0, c'est un nombre, c'est un entier, ça peut être un entier 64 bits si vous voulez. Pareil, 0.0, ce n'est pas un nombre double précision, c'est un nombre flottant. Ce sera casté vers le bon type de nombre flottant en fonction des besoins. Deuxième problème du C++, l'omniprésence du comportement indéfini, qui est le thème de mon magnifique t-shirt que je vous invite à regarder de plus près plus tard. C'est quoi le comportement indéfini? C'est quand la spécification du langage, en fait, les auteurs ont été un peu paresseux, entre guillemets, ils n'ont pas voulu dire ce qui se passe quand on fait quelque chose. Ça, c'était le sens historique. Le sens actuel, c'est l'optimiseur du compilateur a le droit de supposer que ça ne va pas se produire. Or, l'optimiseur du compilateur transforme votre code, et vous savez donc qu'un outil mathématique qui fait un raisonnement partant sur des bases fausses va produire un résultat complètement incohérent. Ce que ça veut dire, c'est qu'un code qui contient du comportement indéfini peut faire absolument n'importe quoi à l'exécution. Problème, en C++, du comportement infini, il y en a partout. Vous additionnez les entiers, il y a du comportement indéfini. Vous faites moins un entier, il y a du comportement indéfini. Vous accédez à un tableau, il y a du comportement indéfini. Vous lisez le contenu d'une mémoire non initialisée, il y a un comportement indéfini. Et ça, c'est dommage parce qu'en fait, vous pouvez le faire sans même vous en rendre compte à cause des destructeurs. Vous avez une boucle infinie. Vous ne le faites peut-être pas, mais c'est aussi du comportement indéfini. Ce qui veut dire que vous pouvez écrire un code qui viole le théorème de Fermat lorsqu'on compile avec Clang. Et les pointeurs, les références sont des outils très utilisés en C++. Malheureusement, c'est assez facile de se retrouver avec des pointeurs et des références nulles ou invalides. Ça aussi, c'est du comportement indéfini. Et du coup, les optimisations du compilateur peuvent transformer ça. Donc, vous ne pouvez pas juste raisonner dessus en disant ça va faire des segfaults. Comment Rust évite ça? L'idée, c'est qu'il y a une discipline qui a été appliquée dans toute la conception du langage. C'est de dire qu'en dehors des blocs unsafe, il n'y a pas de comportement indéfini. On garantit donc trois propriétés fondamentales. La sûreté de typage,
qui veut dire qu'à tout instant, les valeurs que vous manipulez respectent les invariants de leur type. Donc, vous ne pouvez pas avoir un booléen dont la représentation machine est 10, ce qui est un comportement indéfini en C++. La sûreté mémoire, ce qui veut dire que vos références et pointeurs doivent être valides et la mémoire vers laquelle ils pointent doit être initialisée. Et la sûreté des threads, qui veut dire que vous ne pouvez pas avoir des accès concurrents et non synchronisés à la mémoire. J'ai dit en dehors d'unsafe. Il y a donc un sous-ensemble du langage où vous pouvez vous retrouver avec le comportement indéfini C++. Pourquoi? Parce que tout ce que je vous ai dit sur Rust se base sur des preuves à la compilation, et malheureusement, on en a un peu discuté, l'analyse statique, ce n'est pas une science exacte. Il y a des choses qu'on ne sait pas prouver à la compilation. Et donc, de temps en temps, on aura besoin de faire la preuve manuellement et de dire au compilateur, bah voilà, je vais faire l'opération dangereuse parce que tu n'es pas capable de te rendre compte qu'elle n'est pas dangereuse. Ça marche bien au quotidien parce qu'on n'a pas besoin de l'utiliser souvent. Je crois que dans l'intégralité de mon code de Grayscale, il doit y avoir 9 blocs unsafe, donc plusieurs dont je pourrais me passer. Et c'est une session qui est très localisée, à peine une ligne de code si on le fait correctement. Et donc du coup, ça fait que c'est assez facile d'auditer le code pour examiner ce qui se passe dans les régions du comportement indéfini susceptible de se produire. Autre problème du C++, la faiblesse du système de type. C'est très courant que le code C++ fasse des choses qu'on n'avait pas prévues ou émette des erreurs qu'on ne comprend pas. Et la raison à ça, c'est que C++ a trop de mécanismes de généricité. Il y a les conversions implicites, il y a la surcharge de fonctions, les arguments par défaut, on peut donc se retrouver avec des arguments par défaut avec deux fonctions qui ont le même nom et les mêmes arguments qui ne font pas la même chose. Il y a la généricité avec les templates et leur spécialisation, il y a les méthodes virtuelles. Tout ça, ça peut faire des choses qui ont la même tête au niveau du code et qui, à la fin, vont produire des résultats différents. De plus, quand on commence à faire du code générique en C++, on perd finalement toute la notion de typage fort qu'on aimerait avoir dans un langage moderne. Ça ressemble plus à de la programmation en Python où, en fait, les opérations vont être résolues quelque part au fond de l'implémentation et on va avoir des erreurs incompréhensibles à cause de ça. Comment Rust évite ça? En ayant beaucoup plus de discipline de typage qui permet un comportement plus prévisible. Il n'y a pas de conversion implicite ou presque pas, et vous verrez que celles qui existent sont plutôt clean. Les opérations ne peuvent supporter un type différent que par un mécanisme unifié qui s'appelle les traits, et l'utilisation de ce mécanisme qui s'appelle les traits est explicite. C'est quoi les traits? En fait, c'est ce qu'on appelle de la généricité contrainte. Quand vous écrivez du code générique en Rust, votre code générique doit dire j'ai besoin de telles opérations. Par exemple, je veux un type que je peux sommer. Et le compilateur va assurer que si vous utilisez autre chose que ce que vous avez demandé, ça va être une erreur de compilation. C'est donc distinct de ce que C++20 appelle les concepts, où vous pouvez dire que votre contrat c'est ça, mais en fait si vous utilisez autre chose, bah, le compilateur s'en fout et ça va compiler quand même. C++ a un petit problème au niveau du polymorphisme. Il y a deux mécanismes complètement incompatibles. D'un côté, l'héritage des méthodes virtuelles, de l'autre, les templates, les concepts et la spécialisation. Dans un cas, on a du polymorphisme à l'exécution, c'est-à-dire qu'on peut avoir des pointeurs vers des objets de type différent et résoudre à l'exécution quelle méthode va être appelée. Dans l'autre cas, on a du polymorphisme à la compilation, c'est-à-dire c'est pendant le processus de compilation qu'on va déterminer quelle version de la méthode doit être appelée. Le problème d'avoir deux mécanismes complètement distincts, c'est que c'est difficile de passer de l'un à l'autre. Or, c'est quelque chose dont on a souvent besoin, parce qu'en fait, il y a un compromis entre le polymorphisme statique et dynamique, entre le coût de compilation d'un programme et le coût qu'on paye pour le polymorphisme à l'exécution. Le polymorphisme dynamique est moins coûteux au moment de la compilation, est moins coûteux au moment de la compilation, mais plus coûteux au moment de l'exécution et vice-versa. C'est donc très embêtant que quand on veut passer de l'un à l'autre, on doit finalement un peu tout réapprendre, on va utiliser un sous-ensemble du C++ complètement différent, et réécrire beaucoup de code avec une logique complètement différente. Dernier point, c'est assez difficile en C++ d'interopérer avec des types extérieurs, parce qu'il y a souvent, en fait, il n'y a pas de définition commune des concepts utilisés. Comment résout-on ça en Rust? Encore une fois, avec le mécanisme des traits. L'idée, c'est que les traits, c'est un formalisme commun qui va être utilisé en Rust à la fois pour le polymorphisme statique et le polymorphisme dynamique. Un trait, c'est quoi? C'est tout d'abord un ensemble de méthodes associées à différents types où il n'y a pas de données associées, donc c'est un peu comme une interface en Java de ce point de vue-là. On peut également avoir des constantes associées, des types associés. On peut avoir aussi des méthodes as génériques associées et types génériques associés.
et on peut avoir des implémentations par défaut dans certains cas. Tout ça, c'est quand on fait du polymorphisme à la compilation. Quand on le fait à l'exécution, certaines de ces choses ne sont pas disponibles parce que si vous réfléchissez à comment vous les implémenteriez, vous réaliserez que ce n'est pas possible à ce niveau-là. Une grande différence entre les traits en Rust et les formes de polymorphisme qu'on a en C++, c'est qu'un trait peut être implémenté pour un type d'objet que nous n'avons pas défini nous-mêmes. On peut ajouter des fonctionnalités au type des autres bibliothèques. Et ça, c'est excellent pour l'interopérabilité. Un autre problème en C++, c'est la gestion des erreurs. Historiquement, pendant des années, la solution officielle pour gérer les erreurs en C++, ça a été les exceptions, les exceptions, les exceptions. Mais elles ont un certain nombre de problèmes connus. Lancer une exception et la capturer est très coûteux en termes de performance. Donc en fait, on n'a pas envie de lancer les exceptions souvent. On veut que ça reste quelque chose de très exceptionnel. Typiquement, ça arrive une fois et ça crache le programme. C'est très difficile d'écrire du code qui est correct en présence de récupération d'une exception. Et alors, les bonnes pratiques nous disent qu'on ne doit pas utiliser les exceptions dans les destructeurs, mais du coup, bah, dans les destructeurs, on gère les erreurs comment? C++ ne répond pas à cette question. Pour ces différentes raisons, on peut vouloir utiliser d'autres mécanismes de gestion d'erreurs, et là, il n'y a aucune approche standardisée, c'est la jungle d'une bibliothèque à l'autre, ça ne ressemble à, aucune bibliothèque ne ressemble à une autre. Dans certaines bibliothèques, on retourne des valeurs d'un certain type où il y a des valeurs spéciales qui signifient qu'une erreur est survenue, par exemple le pointeur nul. Dans d'autres cas, bah, on a une fonction qui normalement ne devrait pas retourner de valeur, mais qui en fait retourne un entier. Et cet entier est censé signaler des erreurs, sauf que évidemment, bah, comme cet entier ne sert à rien d'autre que signaler des erreurs, les gens ne vont pas le regarder et ne sauront donc pas qu'une erreur est survenue. Et dans d'autres cas, les gens ont voulu faire le malin et ont défini des types un peu mieux fichus pour signaler leurs erreurs. Sauf que comme c'est spécifique à leur projet, bah, du coup, chaque fois qu'on passe dans un projet où quelqu'un fait le malin, on doit réapprendre leur logique de gestion d'erreurs à eux qui est différente de celle du voisin. Comment Rust a-t-il résolu ces problèmes? Au quotidien, pour gérer les erreurs, on utilise ce qu'on appelle un type variant, le type résultat, qui peut contenir soit un résultat, soit une erreur. L'idée, c'est que quand on a un objet de ce type, on ne peut pas directement accéder au résultat en supposant qu'aucune erreur est survenue. On doit, d'une façon ou d'une autre, explicitement gérer la possibilité qu'il y ait une erreur et dire qu'est-ce qui doit se passer si une erreur est survenue. Ce n'est pas approprié dans tous les cas. Il y a des cas où l'erreur, en fait, elle n'est pas récupérable, c'est juste bah, une erreur manifeste du programmeur, genre indexer un tableau en dehors des bornes. Et dans ce cas-là, Rust utilise un autre mécanisme que l'on appelle les paniques, qui ressemblent beaucoup aux exceptions C++ pour le coup, mais qui peuvent être implémentées d'une autre façon. Les exceptions, je vous ai dit, c'est toujours par déroulage de la piste qu'il y a quelques problèmes. Les paniques en Rust peuvent être implémentées soit par déroulage de la pile, soit par un appel direct à la fonction abort de l'ellipse qui arrête instantanément le programme sans nettoyage. L'idée d'avoir ces deux possibilités, d'une part, c'est de satisfaire les gens de l'embarqué pour qui le coût des exceptions est inacceptable. Là, un abort, c'est vraiment pas cher à mettre dans le binaire, donc ça ne pose pas de problème. Et d'autre part, ça permet comment dire? Ça permet aussi de signifier au programmeur que oui, on peut essayer de récupérer d'une panique, ça sert dans quelques cas exceptionnels, mais ce n'est pas une pratique encouragée. C'est plus un truc qu'on va vouloir faire dans des systèmes à haute intégrité, où même si un bout de code crash, on veut pouvoir redémarrer quand même, etc. Ce n'est pas un truc que le code du quotidien va faire. Normalement, une panique, ça veut dire que le code est faux, et donc c'est plutôt mieux que le programme crash dans ce cas-là, plutôt qu'il essaye de continuer de faire des choses fausses. Ces mécanismes sont utilisés partout dans toutes les bibliothèques, il y a un consensus communautaire exceptionnel, et il y a aussi une tendance que l'on ne trouve pas malheureusement en C++ à bien documenter les conditions d'erreur. Enfin, la question de la métaprogrammation. Donc, des fois, on a envie de faire des choses un peu chiadées, de définir du comportement un peu compliqué à la compilation. En C++, pour ça, on va principalement utiliser un mécanisme qui s'appelle la métaprogrammation de template, en anglais template metaprogramming. Il faut savoir qu'à la base, en fait, c'est basé sur un bug de compilateur. L'idée, c'est que bah, normalement, un compilateur, quand vous passez les mauvais paramètres à une fonction, il est censé dire une erreur et dire c'est pas bon. Mais en fait, à la base, bah, les compilateurs C++ ne le faisaient pas toujours. Des fois, juste, ils partaient, ils essayaient d'autres trucs et finalement, ils arrivaient à trouver un machin qui fonctionnait et ils étaient contents. Et les gens se sont rendus compte que c'était vachement pratique pour faire des trucs où on sélectionne différentes implémentations sur une logique chiadée. Et donc, ils ont anobli ça, ils ont appelé Substitution Filer is not an error, finalement, c'est resté.
Vous imaginez bien qu'un truc basé sur un bug va être un petit peu dégoûtant à programmer. C'est accessible seulement à quelques initiés, ça produit du code très difficile à maintenir. Donc, des fois, les gens n'utilisent pas ça. À la place, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser des générateurs de code, des programmes complètement externes à leur base de source, qui va générer du code C++ par rapport à leurs besoins, par exemple la persistance d'objets. C'est ce que fait Root en physique des particules. En Rust, en dehors des traits qui permettent déjà de remplir une partie des besoins de la métaprogrammation en C++, on a un autre outil qui s'appelle les macros. Les macros, c'est une solution pour parser et générer du code qui est intégré au langage et qui est relativement facile à utiliser. Ça répond à la plupart des besoins de la métaprogrammation en C++ et, comme je vous dis, c'est beaucoup plus facile à utiliser. Ensuite, notre programme est fini, on veut le compiler. Quels outils va-t-on utiliser pour gérer nos dépendances et compiler notre programme? En C++, on va avoir CMake et les paquets de distribution Linux. Et quand on essaie d'utiliser en pratique, bah, on en sort en général très insatisfait. En gros, CMake, c'est une surcouche très fine par-dessus Bash. Et c'est programmé en Bash, des systèmes à grande échelle, ce n'est pas une bonne idée. Et les paquets de distribution Linux, en général, ils sont extrêmement obsolètes, ont des versions complètement hétérogènes d'une distribution à l'autre. Et donc, c'est vraiment pas pratique quand on veut pouvoir utiliser des versions récentes des paquets qu'on manipule. Pierre y a un peu touché quand il a évoqué la question de TV 2018. Le résultat de tout ça, c'est que comme c'est compliqué de gérer les dépendances, les gens ne veulent pas de dépendances. En C++, il y a très peu de réutilisation de code. On va tout le temps voir les gens réimplémenter les mêmes types de bases parce que, ils ont trop peur en fait d'utiliser l'implémentation de quelqu'un d'autre. En Rust, à la place de ça, on a un outil qui s'appelle Cargo, qui combine la gestion de compilation et de dépendance, qui le fait extrêmement bien, qui est très facile à utiliser à petite échelle, qui passe bien à grande échelle, et qui gère trivialement les dépendances, qui permet un partage de code beaucoup plus grand dans la communauté. Et je voudrais un peu conclure cette discussion de Rust en disant, peut-être de façon un peu provocatrice, mais tout cet exposé provocateur finalement, que le Rust du présent, bah, c'est un peu le C++ du futur, quoi. Si on regarde C++ 17, vu d'une personne qui connaît Rust version 1 qui est sortie en 2015, bah en fait il y a beaucoup de choses qui sont un peu des rattrapages de fonctionnalités qui étaient en Rust depuis le début, et des choses des fois où ils ont essayé de copier mais ils s'y sont mal pris et ils ont produit une horreur qu'on n'a pas vraiment envie d'utiliser en fait. En C++ 20, bah, même topo. Il y a beaucoup de choses qui sont des rattrapages, la plupart plutôt bien fichues, d'autres c'est dommage, c'est un peu raté. En conclusion, de mon point de vue, il y a deux bonnes raisons de lancer un projet C++ en 2023. La première, c'est si vous êtes lié à une grosse batte de code C++ que vous ne voulez pas réécrire, parce que C++ ne sait interopérer qu'avec lui-même. La deuxième, c'est si il y a des bibliothèques C++ qui sont plus matures pour votre domaine que ce qui est disponible en Rust. Ça reste encore un problème aujourd'hui, même si ça s'améliore avec le temps. Si vous êtes dans aucun de ces deux cas, je vous invite fortement à essayer Rust. C'est rare aujourd'hui d'être bloqué par un écart de fonctionnalité langage, la maturité commence vraiment à être très bonne. L'ergonomie au quotidien est infiniment supérieure. On passe moins de temps à débugger, ce qui veut dire qu'on a plus de temps pour ajouter des fonctionnalités ou optimiser. Et contrairement à l'argument de la familiarité qui est pas mal avancé quand on parle de C++ par rapport à Rust, bah, finalement, Rust, si on regarde les pratiquants, est un langage qui est moins obscur et qui a plus de support de l'infrastructure que les versions C++ 20 et compagnie. Passons à Vulkan maintenant. C'est Vulkan, c'est une API graphique et je vais essayer de définir un peu son audience. Vous voulez coder pour GPU, vous vous en fichez des CPU. Mais par contre, vous voulez optimiser beaucoup. Vous avez envie d'avoir un accès fin aux fonctionnalités matérielles avancées des GPU. Donc, ça va utiliser des couches d'abstraction, mais elles ne doivent pas bloquer l'accès à ces fonctionnalités. En même temps, vous avez envie d'être portable entre système d'exploitation et matériel. Vous n'avez pas envie de vous marier à Nvidia, par exemple. Et malgré tout ça, vous avez envie d'avoir une implémentation qui est de bonne qualité, qui est robuste, qui ne vous crache pas tout le temps à la figure, qui est facile à installer, qui n'a pas trop de bugs, et qui est quelque chose de stable, où on n'a pas l'API qui change tous les mois. En contrepartie de toutes ces demandes, vous êtes prêt à accepter le compromis d'une API qui est un petit peu moins ergonomique à utiliser quand on l'utilise directement, qui va nécessiter un peu de travail d'abstraction pour la rendre plus acceptable. Dans ce cas-là, pourquoi utiliser une API graphique? Les API graphiques, à la base, sont conçues pour les GPU. Elles sont conçues pour en tirer le maximum.
En fait, l'essentiel des ventes de GPU jusqu'à très récemment, c'était le domaine des jeux vidéo et de la visualisation professionnelle. Et donc, les fabricants, encore aujourd'hui, ne peuvent pas se permettre d'ignorer cette audience. Ils doivent bien supporter les API. Ils doivent exposer dans les API graphiques toutes les fonctionnalités de leur matériel. Ce qui veut dire que le support du matériel est aussi bon que ce qu'on trouverait dans une API calcul de constructeur comme CUDA. Comme je dis, voilà, en dessous, l'audience du monde du jeu vidéo et de la SAO est bien plus grande que celle du calcul du GPU. Donc, on a du packaging impeccable, les installations sont faciles, il y a peu de bugs, l'API change rarement. Et l'outillage est abondant, bien qu'il soit parfois un peu trop orienté vers la 3D, ce qui le rend difficile à utiliser pour le calcul. Et parmi tout ça, parmi ces API graphiques, certaines API, pas toutes, sont conçues pour la portabilité entre système d'exploitation et entre matériel. Elles permettent d'obtenir des bonnes performances en partageant l'essentiel du code, avec un tout petit peu de code à spécifier à chaque matériel éventuellement. Et comme ce sont des API à grande audience, les fabricants n'ont pas le choix de les supporter. Ils doivent fournir une solution de portabilité, même s'ils n'en ont pas envie. Parmi les API graphiques, pourquoi je ne vous parle pas d'OpenGL, qui est une possibilité qui va peut-être vous venir à l'esprit? Parce que OpenGL, malheureusement, a un peu vieilli. Il a une conception qui est héritée de IrisGL, qui nous vient de SGI en 1992. C'était pensé pour du matériel qui n'avait rien à voir avec les GPU actuels, qui n'existent absolument pas sous leur forme qu'on connaît. Le support du parallélisme est minimal parce qu'en fait OpenGL est extrêmement basé sur la notion d'état global. On passe son temps à modifier l'état global pour préparer une opération avant d'exécuter cette opération. L'évolution d'OpenGL, parce que vous allez me dire oui, mais il y a ces problèmes et on peut les corriger, ben non, comme en C++, on a le problème de la rétrocompatibilité. Du coup, ce qui se passe, c'est que les gens ajoutent des nouvelles façons de faire les choses qui sont un peu moins cassées en plus des précédentes. Mais ça veut dire qu'une personne qui apprend l'OpenGL aujourd'hui, bah, elle se retrouve face à N façons de faire la même chose. Et il y a une espèce de connaissance tribale qu'on obtient si on parle avec des experts pendant suffisamment longtemps que parmi ces N façons de faire les choses, il y en a beaucoup qui, en fait, il ne faut pas utiliser. Comme les opérations de l'API ne sont pas optimales, les implémentations essayent de faire les malines pour arriver à les implémentations de façon pas trop inefficace quand même. Et en fait, une implémentation qui fait le malin, bah, c'est une implémentation dont le comportement n'est pas prévisible et qui est blindée de bugs. Et enfin, si on se place du point de vue de 2023, aujourd'hui, OpenGL est en perte de vitesse en faveur de Vulkan. La plupart de désattention aujourd'hui pour le développement de l'API se tourne vers Vulkan. Donc, même si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, on peut s'attendre à ce qu'à un moment, il y ait des fonctionnalités qui se retrouvent à exister dans Vulkan et pas dans OpenGL. Donc Vulkan, c'est quoi? Ça a été créé par le même comité de standardisation qu'OpenGL, le groupe Kronos. Et par rapport à OpenGL, les modifications sont les suivantes. On supprime un gros tas de fonctionnalités obsolètes. On élimine l'état global, toutes les méthodes prennent leurs paramètres de façon explicite, ce qui facilite énormément le parallélisme. On a un meilleur contrôle de l'ordonnancement des tâches sur GPU, on peut savoir quand est-ce qu'un job est soumis au GPU par exemple. Et on a un meilleur contrôle des allocations également, ce qui permet de les contrôler finement lorsque c'est nécessaire. On a un meilleur support de fonctionnalités modernes du matériel comme la mémoire unifiée, le dallage et le multi-GPU. Et comme l'implémentation des fabricants n'a plus besoin de faire le malin, elle est plus simple, donc elle a moins de bugs et moins de surprises. La contrepartie, c'est que plus simple veut aussi dire plus explicite. Une des blagues courantes sur Vulkan, c'est que le Hello World prend 1000 lignes. Donc l'idée, c'est qu'il va falloir abstraire selon ses besoins en extrayant finalement ce qui est commun à tous vos calculs faits en Vulkan dans une bibliothèque unique. Une alternative dont j'aurais pu vous parler aussi, c'est WebGPU. Alors c'est quoi l'idée en fait? C'est qu'on se place à peu près, donc comme Vulkan, assez proche du matériel GPU actuel, mais cette fois on essaye de faire une couche d'abstraction par-dessus les trois grandes API graphiques qui sont Vulkan, Metal et Direct3D. L'intérêt de ça, c'est que du coup le support du matériel et des systèmes d'exploitation est optimal, là où pour Vulkan il est plus difficile sous Windows et macOS. Comme elle a été prévue pour le web, les gens s'adressent à des programmeurs web, donc ils ont mis un peu plus d'accent sur la simplicité des choses. Ils ont essayé d'assurer qu'il n'y ait aucun comportement indéfini possible, parce que ce n'est pas acceptable que quand vous ouvrez une page web, elle puisse déclencher du comportement indéfini sur votre ordinateur. Mais il y a quand même un problème avec WebGPU qui fait que je ne peux pas la recommander aujourd'hui, c'est que c'est une API qui est très jeune, donc elle couvre encore certaines fonctionnalités du matériel que je trouve importantes,
et elle a une API qui change régulièrement. Ce qui veut dire que du code WebGPU écrit aujourd'hui, il devrait en fait être maintenu en changeant régulièrement vers la nouvelle bonne pratique jusqu'à stabilisation de l'API. Donc c'est un peu tôt pour l'utiliser de ce point de vue-là. Mon avis, c'est que quand elle aura maturé, ça deviendra ma recommandation à la place de Vulkan, mais pas aujourd'hui. Si j'essaye de faire une table qui résume un petit peu l'état du support des différentes API. Donc, à gauche, j'ai fait trois colonnes. C'est le support des trois grands systèmes d'exploitation, Windows, macOS et Linux. Au milieu, j'ai mis le support des matériels, ou plus précisément des fabricants. Et à droite, j'ai mis les qualités intrinsèques de l'API. Est-ce que c'est facile à utiliser et est-ce que ça permet de contrôler complètement le matériel tel qu'on connaît aujourd'hui? Les croix rouges, c'est ce qui est impossible. Les panneaux danger en jaune, c'est ce qui est possible, mais difficilement au prix de certains compromis. Les coches vertes, c'est ce qui marche très bien. Et l'écran orange, c'est ce qui a marché un jour, mais qui ne marche plus aujourd'hui, soit parce que le fabricant ne met plus l'effort pour que ça marche, soit parce que c'est explicitement déprécié. En conclusion, finalement, à la fin, on se retrouve avec quoi? D'un côté, on a une API graphique qui est très bas niveau, qui offre un support du matériel absolument excellent, mais qui est un peu difficile à utiliser parce qu'elle contient, elle offre beaucoup d'opportunités de comportement indéfini parce qu'elle est bas niveau. Et d'un autre côté, on a un langage dont le pitch de base, c'est rendre le bas niveau ergonomique et éviter le comportement indéfini. Mon idée, c'est qu'il y a peut-être un truc à faire en combinant les deux. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer cette semaine. Merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Ok, ça c'est pour Pierre. Comment ça, du talk d'avant? Ah, mais c'est les mêmes, hein, c'est les mêmes slides. Ah, c'est les mêmes, d'accord. Alors, comment on remet en plein écran sur ce truc? F5. Ah, c'est F5, mais du coup, c'est FN F5, c'est oui, ça. Oui. Ah, Oui. Pourquoi tu as classé les grosses dans l'équivalent de 2? Bah, parce que, comme je l'ai dit, ils sont un peu ratés. Le pitch des concepts, c'est de dire on peut borner la généricité. Une fonction générique va dire explicitement ce qu'elle prend en paramètre. Sauf qu'en fait, bah, la fonction, elle peut dire un truc et finalement faire autre chose à l'intérieur. Donc à quoi ça sert? J'ai pas compris, mais je laisserai Vincent attaquer sur ce sujet-là demain. Parce que bon, après, on va pas faire une guerre des langages là. Enfin, mais voilà, le classement des... Autant il y a un tas de critiques que tu fais qui me vont bien. L'attaque sur le template metaprogramming, je pense que dans le C++ moderne, ça c'est fini. Il n'y a plus personne ou presque qui fera du Sphinae, donc on s'en fout. Et grâce au concept, c'est pour ça que je tique sur le fait que tu mets les concepts dans les équivalents douteux. Mais j'irai pas plus loin sur la bataille des langages. Est-ce que c'est facile de combiner du C++ et du Rust? Un peu plus difficile que de combiner l'un ou l'autre avec le C. Le C++ n'interopère avec personne, juste avec lui-même. Il a interopéré avec le C, donc si Rust n'interopère avec le C, ça va pas. Bah du coup, le problème, c'est que les deux, pour parler, doivent faire tous les deux interface C. Et si tu as déjà fait une interface C, tu sais que c'est extrêmement rébarbatif. Même avec Linux, c'est difficile. Bah oui, C'est-à-dire, tu as c'est difficile pour tout le monde. Après, typiquement, la partie HDF5 de Rust, derrière, c'est du C, en fait. Oui, comme les bindings avec le C sont relativement faciles à écrire, après on peut utiliser tout le système des bibliothèques C. Mais l'interopérabilité avec le C++ est beaucoup plus difficile. J'ai une question sur Cargo, du coup, pour Rust. Donc, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un gestionnaire de dépendance, c'est un compilateur, c'est... C'est un peu, si tu le voyais du point de vue de C++, la combinaison de CMake et Make. D'accord, ok. Ça gère les dépendances et ça orchestre la compilation. D'accord. Ça ne fait pas la compilation elle-même. D'accord, mais est-ce que ça peut télécharger des dépendances, par exemple? Ça peut faire ça. Oui, ça les télécharge aussi. Oui, ça. C'est vrai que tu n'as pas assez insisté pour dire à quel point Cargo est merveilleux. Pour tous ceux qui ont fait du CMake, faites un jour du Cargo, vous allez voir, c'est un bonheur. Et tous ceux qui ont Vraiment. Hein. fait Non, mais vraiment. ça se comporte un peu comme le pic de Python, ou est-ce qu'il y a une interface qui est
sanitarisé en upstream, en fait, parce qu'il y avait des problèmes avec PIP, il y avait du code non sécurisé qui avait passé. Alors, Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a de différence entre les deux? globalement, on va retrouver des problèmes un peu similaires à PIP, qui est que tout le monde peut pousser un paquet sur Cargo et il n'y a pas des gens comme ça qui vont passer votre paquet en revue et dire il est bien, il n'est pas bien. Si vous voulez faire cette revue, vous devez la faire vous-même en fait. Ou avoir une tierce partie qui le fait pour vous. Okay, donc c'est plus proche de PIP que dans un gestionnaire de paquets pour distribution où il y a. C'est ça. D'accord, ok. Merci. L'avantage de cette solution, c'est que du coup, c'est beaucoup plus facile de publier des paquets en tant que développeur. Oui. C'est le compromis. Le désavantage, c'est que n'importe qui peut publier des paquets. C'est ça. C'est pour le dernier tableau. Pour le support matériel, du coup, c'est uniquement XPU ou d'autres cartes accélératrices aussi. Ouais, il y a des tentatives d'implémenter Vulkan sur CPU, notamment par Mesa sous Linux, mais de ce que j'en ai vu pour l'instant, c'est extrêmement expérimental et je ne vous recommanderais pas de l'utiliser à l'heure actuelle. Et d'autres cartes accélératrices sur FPGA. Globalement, de mon point de vue, essayer de supporter les FPGA et les autres matériels avec une même API, ce n'est pas forcément une super idée, mais on peut en discuter. En tout cas, ce n'est pas supporté. Ouais, juste une petite question sur le dernier tableau. C'est un peu de la jungle, j'ai l'impression. Enfin, j'ai du mal à m'y retrouver moi dans tous les trucs qu'il y a. Et tu dis qu'il y en a certains qui sont plus C'était un peu supportés. l'idée en fait. Du coup, c'est ouais. Est-ce qu'il y a un moment, dans quelques années, tu penses, où vous voyez qu'il y aurait un truc qui serait mainstream, ou est-ce qu'on va continuer avec Cycle, ouais. Mais J'ai là, je mis vois pour qu'il est rouge en macOS. Alors, je me dis, il est pas obligé. Cycle. Enfin, et puis, il y a pas mal d'attentions. C'est-à-dire que les attentions, c'est-à-dire que c'était plus supporté. Enfin, ça l'a été, mais maintenant, ça l'est plus. Non, ça c'est l'écran. Ah, ok, Les désolé. panneaux d'angle, c'est quand c'est supporté, mais il va falloir sortir les gants hazmat et y passer un peu de temps, quoi. Par exemple, dans le cas de Cycle, bah, Nvidia n'offre aucun support des implémentations, c'est fait par des bénévoles ou par un autre constructeur, ce qui pose un petit problème de conflit d'intérêt. AMD non plus. Et quand on connaît la pile logicielle de calcul d'AMD, globalement, c'est pas une bonne nouvelle d'avoir même pas le support. Quand on sait la qualité de ce qu'ils fournissent à la base. Mais du coup, il y a de la compétition un peu entre les toutes les enfin, pour faire un meilleur truc, ou c'est juste que personne veut que ça marche avec l'autre enfin... C'est juste qu'ils s'en foutent en fait du standard portable pour le calcul. Je pense que c'est parce que c'est un marché trop petit et que dans le cas d'AMD, ils ont leur solution à eux qui est de dire je vous fournis HIP, qui est en gros une interface de type CUDA sur le matériel AMD. Et c'est pas supporté par Nvidia, mais au moins ça vous permet, moyennant un petit peu de pré-processing, de transformer votre code CUDA en code HIP, et il y a de fortes chances que ça marche. Et donc AMD, c'est leur solution officielle en fait. Ils n'ont pas besoin d'une solution en plus, ils pensent qu'ils peuvent faire sans une solution en plus, parce que tout ce qu'ajoute Cycle, c'est la portabilité avec Intel, et en fait, bah, les GPU Intel, ils sont pas très bons, donc tout le monde s'en fiche. Alors oui, mais pour l'instant, l'expérience de portabilité entre CPU et GPU avec une API commune n'est pas très concluante pour les gens qui l'ont essayé. En bonne partie, à cause de ce qu'avait dit Pierre, que les API GPU mettent un fort accent sur le mouvement de données entre l'hôte et le périphérique cible. Et le problème, c'est que bah, sur CPU, en fait, on est juste en train de faire la même copie d'un bloc mémoire à un autre bloc mémoire et ça ne sert à rien. Et donc du coup, ça veut dire qu'on doit avoir un chemin complètement dédié pour le cas CPU, distinct du cas GPU où les mouvements de données sont très différents. Ça enlève un peu l'intérêt. Comme tu dis, si jamais la chaîne l'Unified Shared Memory finit par devenir suffisamment bonne, ça pourrait être une solution. Et c'est peut-être en train de se passer avec ce que propose Nvidia, donc il y a peut-être de l'espoir pour l'avenir. Oui, bonjour. Les concepts. Non, c'était juste pour dire sur les. On pourrait aussi, enfin, je pourrais dire le contraire, à savoir que les trades sont des concepts cassés. Mais en fait, pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure, je pense une différence. Alors, je connais pas le détail exact des traits en Rust, mais l'une des différences fondamentales que j'ai cru comprendre, c'est que les traits dans Rust sont nominaux, c'est-à-dire que tu dois dire que tel type satisfait tel trait quand tu crées le type. C'est ça. Alors que dans C++, les concepts te permettent de complètement dissocier l'implémentation
et l'architecture logicielle. C'est-à-dire que tu ne sais pas, a priori, si un type va satisfaire ou pas un concept au moment où tu crées ta classe, au moment où tu crées le type. C'est « il se trouve que ce type satisfait ce concept ». Pour un langage qui a beaucoup de dépendances, enfin, qui a une richesse énorme de bibliothèques qui sont pas forcément interopérables, en fait, le fait que ça soit un typage structurel, donc qui ne dépend que de la structure du type, ça offre une plus grande flexibilité que sur les traits Rust. Mais pour un langage conçu aujourd'hui, est-ce que c'est pertinent? C'est une autre question. Je pense que c'est une philosophie différente. Et tu peux faire l'un. Je pense que tu peux faire les traits de Rust avec les concepts de C++, mais le contraire, tu peux pas. Tu veux bien la preuve. Je pense que tu bluffes. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais on est en retard. Hein. Mais bon. Et du coup, vu le tableau, j'ai l'impression que Vulkan, c'est quand même le mieux. Mais si ton objectif, encore une fois, j'ai posé mon audience au début. Pour cette audience-là, je pense que c'est le mieux. Sinon, mais du coup, l'API n'est pas facile. Du coup, est-ce qu'il vaut quand même mieux commencer avec autre chose pour apprendre ou... Oui, ça vaut tout à fait le coup d'utiliser CUDA pour apprendre et après de passer sur une autre API pour ensuite avoir de la portabilité. Ok. Parce que la vérité, c'est qu'en termes de vocabulaire d'abstraction, ces API sont finalement assez similaires. Je ne vais pas dire que c'est trivial de porter du code de l'une à l'autre, mais les concepts sont suffisamment proches pour que si tu as compris une, tu as de fortes chances de comprendre la suivante. Et le gros du boulot de refaire tes structures, revoir tes algorithmes. Tu l'as déjà fait. Donc ça vaut la peine. Moi, si vous devez conclure, j'anticipe, mais il ne faut pas trop se prendre la tête sur avec quoi je commence. Quel que soit le truc que tu prends, ça peut genre penser tes données, tout à coup. Oui. Et c'est un chemin qui sera fait, qui sera plus à faire. Depuis que je me suis mis au calcul GPU, j'ai dû apprendre 5 API différentes. Hein. C'est un univers qui évolue encore assez vite au niveau de l'infra, malheureusement. Et donc, le bon choix à un instant T ne sera pas forcément le bon choix à un instant T plus. Après, c'est aussi l'idée de cette école, ça. C'est vous faire pratiquer typiquement. Là, si on fait du GPU en C++ directement, bon, là, on va faire du NVIDIA parce que pour l'instant, il n'y a que eux qui ont une pile de logiciels complète qui est mature, mais vous avez une riposte open source basée sur Vulkan aussi et sur SQL qui est en train d'être faite. Donc au final, d'accord, là pour le moment, vous êtes tributaire de NVIDIA, mais ça ne durera pas. Dès que cette pile-là sera terminée, ce qui ne saurait tarder d'ailleurs, vous pourrez appliquer tout ce que vous avez appris sur n'importe quel GPU. C'est juste que là, on est contraint parce qu'il n'y a pas la pile totale, quoi. Mais... Oui, mais ça, c'est de bonne guerre quand même. Je veux dire, ils sont là pour l'argent à la fin. Pas là pour laisser gagner les Ils ont compris depuis le début que s'ils ont une API qui est irréprochable et qu'ils ont une bonne pile logicielle, ils vont vendre des GPU et c'est ce qu'ils font.